Puis on est Agapé. C'est notre première fois aujourd'hui à l'Arboretum. On est vraiment contents d'être ici. Ça fait déjà 2 ans à peu près qu'on joue ensemble. On a commencé à jouer ensemble parce qu'on a commencé à sortir ensemble dans le fond. Donc c'est un mélange qu'on a fait. Audrey a joué de la musique de son côté, moi je jouais de la musique de mon côté. Puis ensemble, on a comme créé notre propre signature musicale qui est un peu dans le style de indie, électro, chill peut-être. Ouais. C'est de la musique anglophone là, principalement, mais ce soir on va jouer des mélanges, des covers avec nos chansons originales pour que les gens puissent vraiment voir notre potentiel. Nos prochains projets, ben, ça va être justement l'enregistrement d'un CD, d'un EP. Donc c'est ce qui se passe pour la suite de Agapé. Ouais. Un cover d'une chanson que j'apprécie beaucoup, ça s'appelle « We don't have to take our clothes off », ok? En français, ça veut dire « Nous n'avons pas besoin d'enlever nos vêtements ». C'est une chanson par rapport à notre société qui est beaucoup sur, genre, l'étape du sexe arrive rapidement dans les relations, puis justement, la fille a dit qu'il y a d'autres façons d'avoir du fun dans la vie. Thank you.
took me some time to realize I have things I want to do, but I don't know how.
To
Tout ça pour dire que la prochaine chanson, ça va être une composition, donc moi, pour Audrey, on excelle, excusez-moi, on excelle pas, mais on est meilleur en tout cas, dans les compositions, certainement. Et la prochaine composition, on l'a composée en Afrique du Sud, donc comme Caroline l'a dit tout à l'heure, on a voyagé un petit peu, donc on s'est promené entre l'Europe, l'Inde, l'Afrique du Sud, donc on est des citoyens du monde. Puis la prochaine chanson, on l'a composée en Afrique du Sud, comme je disais, puis c'est une drôle d'histoire parce que quand j'ai composé cette chanson-là, parce que la musique, j'étais malade, j'avais les oreillons. On était en train de faire des travaux avec une certaine Lucie Pagé, là, une journaliste du Québec, je ne sais pas si vous la connaissez. Puis, donc j'ai eu les oreillons, je ne sais pas trop pour quelle raison. Là. Puis, j'ai dû rester une semaine et demie, enfermé dans la chambre, j'avais rien d'autre à faire, j'avais mal partout. Puis, quand tu as les oreillons, en tant qu'adulte, ben, ça peut être assez dangereux, je ne sais pas si vous connaissez ça. Là. Donc l'infertilité, même peut-être voir la mort, etc. Puis tout ça pour dire que ben, j'avais du temps à perdre. Donc j'avais la guitare, puis j'ai passé une semaine juste à écrire des chansons sur la guitare. Il y a plein de bonnes musiques qui sont sorties de là. Donc des fois, il faut, malgré que vous êtes malade, des fois, il peut toujours sortir des bonnes choses. Donc il faut voir les bons côtés des choses, moral de l'histoire. Prochaine chanson, Same Substance. Ce que William m'a pas dit, c'est que après le show, si vous avez des idées de maladie là, qui pourraient poigner, il serait bien content, ça l'aide à écrire des chansons. OK. Thank you.
Thank you.